Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous fais cette vidéo-là pour parler du cas du décès d'un de nos artistes, d'un de nos artistes Zouglou, qui n'est plus de ce monde, du nom de Valérie Espoir 2000, dont la mort me fait profondément, profondément, profondément très mal. Elle me fait mal en ce sens que il devait jouir pour ma part de leur dernière sortie avant de quitter ce monde-là. Mais malheureusement, par la force des choses, il nous a quittés. Et c'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo-là. Car beaucoup ignorent de quoi notre artiste Zouglou, Valérie Espoir 2000, est mort. Toutes mes condoléances à la famille éplorée. Toutes mes condoléances à Pat Sako, son binôme du groupe Espoir 2000. Toutes mes condoléances à toute la famille Zouglou et à tous les artistes ivoiriens. Vous savez pourquoi la mort de Valérie me fait mal? La mort de Valérie me fait mal parce que il n'y a même pas encore un mois, même pas encore 2 semaines si je ne m'abuse, qu'ils ont sorti leur dernier album. Je crois Tableau Blanc, si je ne me trompe pas, c'est le titre de l'album. Et à seulement quelques jours de la sortie de l'album, mauvaise nouvelle, notre Valérie Espoir 2000 nous quitte. De quoi est-ce qu'il est mort? Certains médias en parlent. Mais beaucoup l'ignorent encore. Et comme vous êtes aussi ma communauté, et je sais que parmi vous, beaucoup étaient fans du groupe Espoir 2000, et particulièrement de l'artiste Valérie, Espoir 2000, je me permets de faire cette vidéo-là pour vous entretenir sur les causes du décès de ce grand artiste-là, de ce grand artiste Zouglou-là. Très sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait mal, vous n'imaginez pas à quel point. C'est-à-dire, Dieu me préserve jusqu'à ce que je finisse ma dernière œuvre musicale. Où je dois profiter. On dira que même s'il n'est pas là, ses enfants profiteront, sa famille profitera et tout. Mais ça laisse un goût un peu amer, ça laisse un goût un peu indésirable parce que nul n'a envie de fabriquer quelque chose, de préparer quelque chose et de le laisser sans profiter de cette chose-là et partir. Et franchement, moi ça me fait très très mal parce que c'était quelqu'un de discret. Pour ceux qui le connaissent, j'ai un ami personnel du nom de Martin Kouassi. Qui était son bon petit, avec qui il vivait, pas dans la même maison, mais je vais dire dans la commune de Makori, qui me disait que c'était quelqu'un de très, 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 très gentil. Il avait même un bar au niveau de Makori qui marchait pas mal, qui a fait même les beaux jours de Makori. C'était quelqu'un de formidable, c'était quelqu'un d'humain. C'était quelqu'un de tolérant, c'était quelqu'un d'effacé, mais qui faisait beaucoup, beaucoup pour le groupe Espoir 2000 et beaucoup pour certains artistes Zouglou. Et malheureusement, ce délai-là nous quitte. Et moi, personnellement, ça me fait mal. Et je fais cette vidéo-là pour exprimer ma douleur, pour exprimer ma tristesse. Parce que j'avais envie de le voir encore. J'avais envie de le voir encore. Bref, je pense que ce mal qui a fini par le mettre pied sous terre a été révélé en 2017, si je ne me trompe pas. 2016-2017. Parce que naturellement, pour ceux qui connaissent Valérie Espoir 2000, c'était quelqu'un de très maladif. Il avait une santé fragile. Mais malheureusement, qui cachait une grosse maladie. La leucémie. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie-là, mais c'est une maladie du sang. Voilà, entre parenthèses, un cancer du sang. Imaginez que cette source vitale qui fait fonctionner notre existence, qui fait fonctionner l'organisme humain, est en mal. Je pense que c'est parce que Valérie était quelqu'un de béni. C'est parce que Valérie était quelqu'un qui avait un cœur grand, large et pur. Qu'il a si duré comme ça, sinon pour des cas de leucémie que nous connaissons, bien qu'on a connu, en tout cas ma mémoire, ça ne peut pas durer un an. Après un an, normalement, si la personne n'a pas beaucoup de chance, la personne malheureusement décède. Malheureusement, j'ai dit, décède. Et notre Valérie s'est battue depuis 2016-2017 avec cette vilaine maladie-là. Il s'est vraiment battu, hein, parce que depuis 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
presque 9 à 10 ans avec ce gros cancer là. Franchement, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir un cœur vraiment large, un cœur vraiment pur pour lutter autant avec une maladie si grave. Le cancer du sang, c'est une maladie qui est trop grave. Vous ne le réalisez pas, mais c'est autre chose. Vous savez, dans les cancers, il y a plusieurs niveaux. Et je pense que le cancer du sang fait partie du top. Parce que vous savez, c'est quoi le cancer du sang? Le cancer du sang, c'est pas le sang même qui est le problème. C'est les cellules qui fabriquent le sang là, qui font que tu peux combattre des infections, tu peux résister à certaines maladies qui s'infiltrent dans ton organisme là. C'est elles qui sont malades, c'est elles qui sont atteintes. Donc il n'y a plus production de sang, il n'y a plus protection de l'organisme. Mais ce gars là est resté dedans pendant près de 10 ans. C'est vrai, ça fait mal, ça fait très mal. Mais il faut retenir que Valérie était quelqu'un qui avait un grand cœur, sinon il ne pouvait pas tenir tout ce temps-là. C'est même pas une question de moyens, c'est même pas une question de traitement. Il avait la grâce divine sur lui. Oui, il avait la grâce divine sur lui. Et c'est avec considération que nous avons reçu sa dépouille hier. Moi, je plains vraiment l'état de son binôme, Batsako, qui était tellement attaché à son frère, qui était tellement attaché à son ami, qui était tellement attaché à son, on va dire, son compagnon de lutte musicale. Que je souhaiterais qu'on lui envoie toute la force. Je souhaiterais qu'on lui envoie toute la force. Et je souhaiterais aussi que nous rendons hommage à Valérie Espoir 2000. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est d'aller streamer. J'ai dit bien streamer au maximum leur dernier album, Tableau Blanc. Tableau Blanc. Si je ne me trompe pas, hein, je pense que c'est le titre de l'album. On doit leur donner un disque d'or en mémoire de la disparition de notre chère et regrettée Valérie Espoir 2000. L'album est déjà sorti et malheureusement, dans la foulée, Valérie aussi est décédée. On va dire Yako, on va dire qu'on a mal, on va dire qu'on est meurtri, on va dire qu'on est triste. Mais la seule manière de lui dire merci et de lui dire qu'il a compté pour nous, c'est d'aller sur toutes les plateformes les téléchargements pour aller streamer, pour aller acheter. Il faut qu'on leur donne un disque d'or. Ne serait-ce qu'ils voient rien. Au moins 10 000 ventes rapidement. Parce que vous connaissez Espoir 2000. Quand eux ils sortent là, c'est toujours tube. Quand eux ils sortent là, ah, les autres groupes Zouglou ont problème. Parce que c'est un très grand groupe Zouglou qui a fait ses preuves. Rendons hommage à Valérie de cette manière là. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est la meilleure des manières de lui rendre hommage. Et je peux compter sur vous. D'abord, vous, mes abonnés, à vos amis, à vos familles, dites-leur qu'on a perdu un de nos artistes Zouglou du nom de Valérie Espoir 2000. Si vous leur dites le deuxième du groupe Espoir 2000, là, ils vont le connaître. Un monsieur beau gosse, mince, élancé, là. Il est plus parmi nous. On n'a qu'à soulever leur dernier album. On n'a qu'à soulever ça, les gars. On n'a qu'à soulever ça. S'il vous plaît. Voilà, je tenais à faire cette vidéo-là pour compatir à la douleur de la famille et du reste de la sphère musicale ivoirienne. En tout cas, merci encore et on est ensemble. Beaucoup de courage à la famille.